C'est gentille introduction. Et donc, le fait, par contre, de vouloir répondre à un certain nombre de questions, en particulier les deux questions dont François vient de parler, a fait que l'exposé peut être assez difficile à préparer pour qu'il ne soit pas complètement décousu. Hein. Donc, il va consister en deux parties. Une première partie où je vais indiquer donc, toutes ces questions, quand on les regarde au fond, reviennent à essayer de comprendre l'approche catégorique, qui est un peu donc différente, comme l'a dit François, et donc pourquoi est-ce que dans mes travaux, et en particulier donc dans les messes et les démesses dont a parlé Mathias la dernière fois, pourquoi cette approche est-elle choisie? Ben parce que cette approche, c'est la manière dont j'ai hérité de l'approche des catégories de Charles Eresmann. Donc, il paraît bon, si je veux expliquer d'où vient la notion de semi-faisceau, d'où vient la notion de complexification, ben, de repartir dans les travaux de Charles et de montrer d'où ça vient. Donc, il y aura deux parties relativement, enfin, distinctes dans le sens que quelqu'un peut très bien s'arrêter à la première partie ou au contraire ne prendre que la deuxième partie, mais qui en fait, au fur et à mesure, j'expliquerai le lien entre les deux parties au début de la deuxième partie. Donc la première partie sera l'approche de catégorie de Charles Eresmann.